je m'appelle Yves Ollier, je suis directeur artistique et scénographe à Disneyland Paris. Pour le 30e anniversaire, nous créons des jardins. C'est une création totalement nouvelle, des mobiles qui vont représenter les grands caractères qui ont été dans notre parc. Je m'appelle Manon Hasbrook et je suis chargée de fleurissement à Disneyland Paris. Ces jardins féeriques sont là pour mettre en scène les mobiles qui ont été conçus par Yves. Pour ces 10 jardins, on va vraiment travailler le végétal et le minéral pour créer un univers propre. On va essayer d'évoquer la Voie lactée ou alors le monde aquatique ou une jungle en plein milieu du parc. C'est le 30e anniversaire, donc il y aura 30 personnages. On a plusieurs princesses, hein, on en a 6. Qui sont dans les jardins royaux, parce qu'il y a une thématique aussi par jardin. Donc là, on est plus un jardin à la française. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que ces personnages ne soient pas une évidence quand on va les voir, qu'ils sont stylisés, et ils ont une autre poésie. Ce sont des mobiles qui tournent, qui ont des brillances, qui ont des scintillances, qui ont de la couleur. Donc il y a vraiment une surprise, et puis aussi un effort de chacun à pouvoir reconnaître les personnages. Donc il y a un petit jeu aussi derrière ça. On est en train de tester un tout nouveau procédé qui va nous permettre d'avoir des plantes qui vont être lumineuses à la tombée de la nuit. Le petit effet magique que l'on souhaite avoir avec des produits qui sont complètement neutres pour les plantes. Ce qui m'apportait, c'était de trouver un moyen original pour faire redécouvrir des choses qu'on connaissait. Ça pour moi, c'était une base très importante. Ce que je trouve vraiment génial dans ce projet, c'est qu'on est en train de réaliser des choses qu'on n'a encore jamais faites à Disneyland Paris. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ces jardins prendre vie, de voir les mobiles tourner, de voir toute la magie comme ça qui va se mettre en mouvement. Ce que j'aimerais que le public ressente, c'est une découverte. C'est avoir un œil neuf sur des personnages qui sont familiers, avec cet aspect où j'ai essayé de donner le plus de poésie possible, quoi.